d'esprit, le groupe est comme la bonté. Comme un match important, parce que l'objectif c'est effectivement de terminer le championnat en boulet de canon, il nous reste quand même un certain nombre de matchs. Donc, ils sont tous concentrés, je dis bien tous concentrés, sur le match de demain et uniquement sur le match de demain. L'équipement, je serai encore en défection, suspendu. Oui. Donc, est-ce que vous avez une idée de solution? Je pense qu'on sera 11 sur le terrain. Je pense. Et il y aura quelques remplaçants. Non, mais bien sûr, parce que bon, il y a un effectif quand même de 27 joueurs, donc on va trouver des solutions, bien sûr. Sur le plan défensif. On trouvera des solutions sur le plan défensif. Coach, c'est quand même un match important pour le podium, dans la mesure où l'adversaire du jour, lui aussi, joue le podium, et qu'il y a un troisième larron qui s'appelle Lisma qui joue le podium. Alors, comment il se prépare réellement ce match avec plusieurs joueurs ouais. Alors là, le micro, le football, ça se joue effectivement devant des supporters, des spectateurs. Il y a une ambiance particulière qui porte, qui doit porter l'équipe. Et malheureusement, on va être privé de ça. Ça, c'est sûr, c'est un handicap. Et ce handicap, on l'a déjà supporté quelquefois depuis le début de la saison. C'est quand même gênant. Bref, on va faire avec. On est des compétiteurs, les joueurs sont des compétiteurs, ils ont l'envie de réussir et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Le FCO est une équipe qui a bien fort. Hein. Effectivement, le FCO, ça fait 9 matchs, si je crois bien, qui sont invaincus. Et donc ils reviennent effectivement très très fort, ça a toujours été une bonne équipe, mais là particulièrement. Donc on s'attend à une opposition. De haut niveau. Vous n'avez pas des soucis en attaque ou ça ne garde pas bien, c'est bien bon, qu'est-ce qu'il faut ? Alors c'est vrai que, mais on pointe toujours du doigt les attaquants. Mais c'est important que tout le monde se sente concerné par l'inefficacité offensive du moment. Du moment, parce que je vous rappelle quand même que les mêmes ont été capables de marquer il y a quelques temps. Donc il faut qu'on se penche là-dessus et que chaque joueur. Aborde ça aussi avec responsabilité dans notre jeu collectif. Une précieuse victoire contre le MCO, ça vous permettra de passer l'hiver au chaud, comme on dit ? Non, parce que les échéances vont venir derrière avec aussi autant d'importance, donc au chaud, non. Selon certaines informations, le président aurait haussé le ton pour exiger un 5 sur 5. Écoutez, ça met pas de pression pour les joueurs. Non, c'est pas ça. Dans un premier temps, je voudrais rappeler quand même que l'objectif qui avait été tracé, c'était de se qualifier pour les poules de la Champions League. Ça a été fait, et bien fait. Donc, objectif atteint. Maintenant, la phase de poule permet aux joueurs de s'aguerrir à ce niveau-là, parce que c'est à un autre niveau, c'est évident. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour l'expérience de nos joueurs, et de nos jeunes joueurs en particulier. Ça. Et puis, pour la suite du championnat, il est bien évident qu'il nous faut gagner des matchs, c'est sûr. Mais quelquefois, un match nul vaut, nous permet de continuer dans c'est pas un manque d'ambition, mais c'est la réalité du terrain, c'est tout. Quand on a été champion il y a quelques années, on a été champion le dernier match. Bon, on avait gagné 5-0 ici, mais ça se passe jusqu'à la fin, quoi. Donc il faut rien lâcher jusqu'au bout, ça c'est clair.